N'hésitez pas à vous abonner et de liker pour commencer. Merci, à tout de suite. Alors, magasin Action de Stain, on va commencer avec cette magnifique bonbonnière en verre. Je rigole parce que j'ai choisi des bombes de bain très grandes hein, par rapport à la bonbonnière. Donc, il n'y a que trois à l'intérieur, ça dépasse. Donc, si vous avez des bombes de bain plus petites, hein, ça irait très très bien pour mettre dans la salle de bain, mettre des bombes de bain, plusieurs couleurs. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une idée vraiment chouette pour mettre dans la salle de bain sur une étagère. Voilà, super sympa cette bonbonnière en verre. Elle fait 33 de hauteur et 15 de diamètre. Si vous utilisez aussi souvent du sel de bain comme ça, en fait, coloré, vous pouvez mettre ça à l'intérieur, pourquoi pas. Ou bien tout simplement, vous savez, Nélor, il y a des personnes aussi qui ont utilisé ça à côté de la machine, ils ont mis des billes de Nélor pour parfumer le linge. Alors, le prix, les filles, 5,95€ pour cette magnifique bonbonnière. On peut utiliser ça pour des biscuits, des chocolats aussi enrobés, etc. Il y a une abonnée qui m'a parlé des... Elle m'a posé la question, elle nous a posé la question à nous, hein. Moi je lui ai répondu parce que je les ai à la maison. C'est les boîtes de conservation Curveur. Moi je les ai à la maison, j'ai acheté deux modèles de boîtes. Il y a un modèle qui me plaît énormément, franchement je vous le conseille à 200%. Et un autre modèle aussi qui est très bien, mais il y a un truc qui me déplaît un petit chouïa. Bref, la marque Curveur en fait, elle est très bien, très fonctionnelle. Les boîtes sont assez transparentes, donc avec le joint, ça passe au lave-vaisselle, il y a plusieurs tailles. Le grand cateau, le grand modèle à 2 litres 300 à 4,49€. Le moyen, c'est 1 litre 800 à 3,99€. Le troisième, c'est 1 litre 300 à 3,79€. Et le petit, qu'on peut aussi utiliser dans les tiroirs, et c'est 2,99€ 800 ml. Donc on a trois tailles. Les filles. Alors, je vous donne mon avis à ce sujet-là. Je l'ai donné plusieurs fois, hein, ça fait longtemps, mais bon. Il se ferme bien, il y a le joint, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne se ferme pas vraiment à fond. C'est pas difficile à ouvrir. C'est ça que j'aime pas, en fait. Quand on fait ça, ça s'ouvre vite fait. Mais il y a un petit joint ici. Il y a le joint. Il n'y a pas de souci pour la conservation. Mais moi, j'ai tendance, en fait, quand je prends le pot, je le prends comme ça. Et une fois, j'ai fait tomber le pot, en fait, par terre. Je prends pas comme ça, parce que je sais pas, c'est comme ça. Mais franchement, il n'y a pas de souci, hein, sauf que ça ne se ferme pas comme je le veux moi. J'aime bien quand c'est difficile à ouvrir. J'espère que vous m'avez compris. Alors, sinon, il n'y a rien à dire. Mais le modèle que je préfère, je vais vous montrer tout de suite. Le modèle que je préfère, que j'ai acheté en grande quantité, et j'adore, c'est ce modèle. D'ailleurs, il est très pas cher, vraiment. Il est vraiment pas cher, les prix sont très abordables. On a trois tailles. Bon, c'est mauvais. Mais le troisième, le plus grand, je ne l'ai pas trouvé pour l'instant. Ils sont là. Ils sont comme ça, en fait. Regardez. Le troisième, le plus grand, je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Le plus grand, c'est 2 litres 600 ou 700. Il est plus grand. Donc, ça passe au lave-vaisselle. Ça, c'est très bien. Donc là, le couvercle. N'oubliez pas le couvercle. Demandez-le en caisse. Donc là, pour l'instant, il est disponible ici. Mais n'hésitez pas à demander en caisse si vous ne le trouvez pas. Donc, vous le fermez ici. Il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint, mais ça se ferme très, très bien. Pour mettre les pâtes, les lentilles, les haricots, etc. Donc vous mettez comme ça et vous fermez de chaque côté. Regardez. Et quand vous le portez comme ça, ça ne bouge pas en fait. C'est fin, c'est transparent. Vous pouvez mettre ça dans le placard. Vous pouvez mettre en plusieurs et c'est transparent. On peut voir à travers ce qu'on a mis. Voilà, comme ça. Ça prend pas beaucoup de place. Et franchement, il y a le grand modèle qui est très très bien pour les spaghettis, pour les ce qu'on veut, les pâtes, etc. Je mets aussi du la semoule, du riz, boulgour, etc. Il y a aussi le petit qui fait 1 litre. Là, c'est un 1 litre 700 et le plus grand 2 litres 700 ou 600. Donc le couvercle, donc ça ferme très très bien, il n'y a pas de souci. Donc on peut le porter ici, comme ça, il n'y a pas de problème. Même pour les tiroirs, ça ira très très bien pour les tiroirs. Les filles, pour mettre les épices, si vous avez un grand tiroir, si vous avez une cuisine avec des tiroirs assez grands, vous pouvez mettre ça dans le tiroir et vous pouvez voir, là, voir ce que vous avez mis comme ça. Voilà, ça, épices, etc. Voilà, le modèle que je préfère, c'est celui-ci. Il est vraiment très abordable par rapport au prix. La plus petite boîte, je n'ai pas le prix des autres, la plus petite, c'est 92 centimes, 1 litre. Elle fait 17 par 11 par 9. Voilà, donc boîte à provision avec le couvercle. Donc les plus grands, c'est, je pense, 1 euro et quelques, et 2 euros, même pas 2 euros.
pour la grande. Alors, en tout cas, moi, je suis très satisfaite et je vous donne vraiment mon avis sincère pour ces boîtes. Voilà. Dites-moi votre avis, les filles, si vous avez testé ou pas. Voilà, je remets tout ça, bien évidemment, à sa place. Voilà. Bien évidemment, hein, c'est juste pour répondre à cette question. Je ferai une vidéo 100% comme d'habitude. Je l'ai déjà fait il y a une semaine ou deux. J'ai fait deux vidéos 100% boîte de rangement, boîte de conservation, etc. Je ferai une aussi cette semaine. Donc, je vais vous montrer un petit peu de décoration. On a ça donc disponible à 99 centimes. C'est un photophore, mais on peut utiliser ça pour autre chose. Là, c'est un photophore en métal doré ou argenté. Là, il ne reste que de l'argenté, les filles. 1,62€. Il y a aussi celui-ci à 1,99€, toujours argenté ou doré avec des strass, donc c'est d'un photophore aussi. Le plateau ici, fond miroir en métal doré argenté qui fait 25 cm à 4,44€. Bien, on a aussi celui-ci donc disponible, hein. Là c'est 8,95€, plateau rectangulaire en métal argenté, fond miroir. Ici on a les lanternes aussi, hein. Style oriental disponible, les filles, argenté ou doré, le petit ou le grand c'est 5,95€ et le petit c'est 3,119€. Il y a aussi les boîtes à bijoux miroir XL, les filles, disponibles à 24 par 18 par 13 à 8,95€. Là il y a les chaises en velours disponibles ici à Stein. Si vous recherchez les chaises, les filles sont disponibles ici, hein, avec les pieds noirs en métal, en velours gris ou noir. C'est 29,95€. La chaise, elle fait 45,5 par 50 par 83 cm. Il y a aussi on m'a demandé aussi pour les tables d'appoint en métal argenté. Ils sont disponibles, regardez. Il y en avait aussi hier à Garges et ici à Stein aujourd'hui. Donc ça se plie. C'est une table d'appoint qui fait 19,95€, 55 de hauteur et 54 de diamètre. Ce qui est bien, c'est que ça se plie, c'est bien. Oh là là. Il y a aussi celle-ci, donc celle-ci elle est très très simple, on a du gris anthracite, du noir et du blanc cassé. C'est une table d'appoint pliable avec le plateau amovible, elle fait 53 par 51 à 19,95€. J'espère que je ne me trompe pas par rapport au prix. Voilà, c'est 51 de hauteur et 47 de diamètre. Je pense que c'est pas ça, je vais demander le prix parce que j'ai un petit doute là, je pense que c'est moins cher que ça en fait. Alors, je vous montre la photo. Noir, gris anthracite et blanc cassé. Et on peut toujours rebomber pour une autre couleur. Voilà, j'avais raison, c'est 8,95€, les filles. Hein. 8,95€ pour le prix, les filles. Donc je m'en doutais, en fait, c'était plus cher. Normalement, c'est moins cher. Il reste encore quelques-uns de ceux-là disponibles. Hein, les chandeliers en verre, hein, 19 cm de hauteur. Hein. Donc c'est du verre, hein, c'est bien du verre. 7,49€, les filles. Il reste que ce modèle, normalement, il y a deux... deux modèles disponibles en rayon. Les choupinettes, je vous ai posté une vidéo hier, hein, 100% make-up, soin du visage. Je vous ai montré les produits que je mets, moi, que j'ai testé, que j'approuve à 200%. Je vous ai montré aussi les soins pour les pieds et quelques coffrets. Je vous ai montré aussi des appareils, hein, avec les coffrets, vous savez, avec la brosse en silicone. Alors, je vous ai montré pas mal de choses. Je vous la mets à la fin, ici, à votre gauche. Mais par contre, je n'ai pas parlé des mascaras. Voilà, juste pour vous donner mon avis. J'ai testé le jaune. J'ai pas testé le noir et celui-ci. Donc, pourquoi pas. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, si vous l'avez testé. Pourquoi pas. Moi, j'aime bien quand c'est un mascara qui donne du volume et de la longueur. Effet, voilà, volume, effet fossile. Que j'ai pas retrouvé dans ce modèle que j'ai acheté l'autre jour. Je vous donne mon avis. Donc, ça allonge les cils. Ça fait des cils un peu longs, ça allonge, il n'y a pas de souci, mais ça ne fait pas du volume, pas du tout. J'étais très déçue, peut-être que pour d'autres personnes, ça ira très très bien, mais pour moi, non. Moi, je cherche vraiment du volume et de la longueur. Voilà, effet fossile. Donc, je n'ai pas trouvé ce que je voulais sur ce modèle, mais il est très bien, il n'y a rien à dire. Une brosse en silicone d'ailleurs, pareil pour ce modèle, mais là, c'est un autre modèle, moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. C'est la marque Miss Sporty. Mais celui-ci, je pense que ça donne aussi du volume, hein, à tester. Voilà, juste pour vous donner mon avis. Et on continue avec ce vase que je montre de temps en temps. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il existe aussi en doré. Donc avec les pieds en métal doré, c'est un vase. Hein, on peut l'utiliser pour pas mal de choses.
il existe aussi en noir. N'hésitez pas pour voir, au lieu d'ouvrir la boîte, de voir ici en bas. Donc la photo, c'est toute c'est pareil, hein, c'est noir. Mais il faut regarder ici. Regardez, il y a doré, gold, black, noir. Donc là, c'est checké black, noir. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est noir. Donc si c'est checké comme ça, gold, donc ça veut dire que c'est doré. Donc là, sur la boîte, c'est doré, c'est bien. Mais regardez quand même, on ne sait jamais. Regardez quand même ici si c'est checké ou pas. 3,99€, c'est un vase qui fait 15,5 par 29 cm en verre. Voilà, je vous montre le doré si vous souhaitez. Voilà, il n'y en a pas beaucoup hein, dans le carton qu'ils reçoivent ici. Il y a quelques-uns de doré, le reste c'est noir. Hein. Voilà, juste pour info. Et le vase se retire. Hein. Là, il faut l'essuyer, il est un peu flou comme ça, un peu sale, il n'est pas très propre. Mais ça se retire, hein, il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de ces couronnes disponibles en déco, donc couronne à 7,49€, c'est 29 cm. Il y a aussi ces plateaux qui restent aussi hein, argentés ou dorés, il y a deux tailles, à 7€ et quelques, je regardais le prix. 7,84€ les deux pièces, petit ou grand, avec le miroir. Voilà le petit. Allez, un petit tour côté jouet pour faire plaisir aux bouchous, aux enfants. On a du nouveau ici en rayon jouet avec cette poupée. Ça se transforme en poupée en fait. C'est une bouteille comme ça magique avec le diadème par-dessus. Je ne sais pas si vous avez ici, regardez là. Donc on a doré, violet, rose et bleu. C'est 3,99€ et à l'intérieur on a une princesse avec une magnifique robe pailletée. Ça c'est trop beau, j'aime beaucoup. La bleue aussi elle est magnifique, regardez. Il y a un petit une petite surprise ici, il y a la princesse à l'intérieur. Voilà, surprise. 3,99€ pour faire plaisir aux petites filles, ça c'est vraiment génial. Il y a aussi ça que mes enfants ont acheté. Et oui, on a eu le droit au cafard et à l'araignée. Et ça fonctionne très bien. Hein. C'est vraiment quand vous l'oubliez, les enfants laissent les jouets par terre traîner. Une semaine après ou deux semaines après, quand vous avez oublié ce cafard ou cette araignée, et quand vous allez nettoyer en dessous du lit, bah, vous trouvez ça, vous avez peur. Hein. Franchement, c'est 3,99€. Donc ça marche avec des piles, hein. Ça marche très bien. Et on a aussi l'araignée. Voilà. Ça fait très peur. Alors ça aussi, c'est vraiment chouette pour les enfants. C'est des figurines imogées. On a plusieurs modèles. On a dans les roses bleues, il y a aussi du jaune. Et je vais regarder le prix. Voilà, des smileys ici à 3,99€. Il y a plusieurs figurines. Ah, il y a du nouveau, regardez les filles. Ou les enfants. C'est quoi ça? Déjà, c'est 1,99€ les deux pièces. Bananas fruits. Je vais voir comment ça fonctionne, je suis curieuse. En fait, tout simplement, il faut l'ouvrir, il y a une surprise à l'intérieur. Il faut l'éplucher. Voilà, vous l'épluchez et à l'intérieur, il y a une surprise. Et on peut l'accrocher sur le sac à dos, alors où on veut. Il y a deux pièces, plusieurs couleurs, hein, comme vous voyez. Et c'est 1,99€. Il y a même du bleu ici, du rose. Voilà, c'est une surprise. Plus de 3 ans. Il y a aussi ça en nouveauté. C'est une sorte de anti-stress, hein, 99 centimes. Ça, c'est une ventouse comme ça qui fait du bruit. C'est vraiment rigolo ça. C'est génial. Je peux rester des heures comme ça. 99 centimes. Plusieurs couleurs. Regardez. Ah, franchement, c'est bien. Ouais. Il y a aussi ici les poppers. Hein. Il ne reste pas grand chose, mais c'est 1,49€. Il y a aussi ça, sorte de des Fiji cubes comme ça. Donc voilà, c'est bien ça. Les enfants ils aiment bien ça en général. C'est pour faire des formes comme ça. Regardez, on a le chien ici, le cœur, etc. On peut faire pas mal de choses. 99 centimes, il existe en plusieurs couleurs. On a du rouge, du bleu, du jaune, du vert, etc. Voilà le rouge.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi ça, ça me plaît beaucoup. Jeu d'empilage, 60 pièces en bois, 2,99€. Voilà. Voilà, le petit tour est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Excellente journée à tous les filles. Bon, bisous. Et surtout, likez et abonnez-vous.